Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Excusez-moi pour mon absence, mais pour le moment j'ai des choses plus prioritaires avant les vidéos. Donc je m'en excuse envers mes abonnés et aux mes futurs abonnés s'ils viennent. Donc je vais vous partager un haul de chez Pearl. Donc il se trouve, on a été à celui de Namur. On a un petit peu ri parce qu'on a vu des gens en train de manger des pizzas, enfin le restaurant dehors quoi. Et qu'il y a du vent et tout, enfin bon, bref, hein, ils font ce qu'ils veulent. Donc ça se présente ainsi, hein, sachet, quel but de vous montrer ce sachet. Donc je vais vous montrer, lui c'est pris, donc moi j'ai pris pour moi, en fait c'est un mélange des deux. Donc graines créatives, ça c'était strass, un petit peu diamant, mais c'est pas des vrais, hein. Voilà, comme ceci. Donc à Shepper, on les a trouvés à Shepper. Il a pris ça, je vais lui remettre dans son sachet. Alors, qu'est-ce qu'il s'est pris? En fait, il envisage plus tard, un peu plus tard, voilà, il s'est pris de la résine pour faire des bijoux. Donc, de la marque Cléopâtre, c'est de la résine. Hein, il y a tout ça dedans. Donc, les flacons, hein, les deux mélangeurs, les gants. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Des spatules, une seringue apparemment. Et une notice. Voilà. Donc, il a pris ça. Et c'est pour ça que je vous ai montré, je ne sais plus, les diamants. Alors, qu'est-ce qu'il a pris? Bien sûr, pour que ça suive, il s'est pris des moules. Comme ceci. Il s'en est pris un comme ça. C'est la marque Rare. Un rectangle. Il s'est pris à Rome. Toujours la même marque, Rare. Donc vous voyez, il y a le petit embout ici, je ne vais pas les ouvrir, hein, parce qu'il ne va pas les utiliser maintenant. Voilà, pour qu'il y ait l'avant-trou pour passer le fil. Il s'est pris un comme ça, et il s'est pris un cœur. Ça, comme ça, il va m'en faire un. Voilà, vous voyez le petit, la petite tute ici, ben, c'est pour faire le trou. Qu'après, voilà, ça fait comme ça. Voilà, avec la résine, ce qu'il va faire, il s'est pris... C'est du vernis, quand il aura fini, bien sûr, transparent. La marque Darwi, je sais pas. Darwi, voilà, ça c'est le vernis. Je ne vais pas vous dire le prix. Je suis désolée les filles, donc il s'est pris un peu style vintage aussi. Mais là, il y a déjà le cabochon. Donc je ne sais pas ce qu'il va faire avec. Bon, certainement qu'il va... mettre de la résine dedans à la place du cabochon, donc il va utiliser le bijou ici. Et je crois que c'est pour moi qu'il l'a pris pour le faire. Voilà, de la marque donc vintage Rare aussi. Voilà, ici, hop, un petit cabochon. Et je vois, c'est pas mal. Ça, c'est quoi ça? Un kit application résine, donc c'est des gants, des petits pots. Des gants, des pots et des petits bâtonnets, j'ai l'impression. Ouais, ah bah oui, voilà, des pipettes. Voilà, des petites pipettes, des gants, des dosettes, des petits bâtonnets, comme ça, pour les mélanger. Voilà. Toujours à Shepper, hein, d'après tout le kit à Shepper. Voilà, j'espère qu'ils rangissent bien, ouais. Je vais bien refermer. Voilà. Il s'est pris des paillettes, du glitter, hein, donc Rare, toujours la même marque. Oh, ça c'est du glitter collant, je ne sais pas si pour le mettre dedans. Enfin bon, bref, c'est comme ça la marque Rare. Vous voyez. Hop, hop, hop. Voilà. 50 grammes dedans. Voilà. Et ça c'est quoi? Un durcisseur de la résine, encore une résine cristal, encore une autre forme de la marque PDO. PBO. 50% bio. Voilà, regardez. Donc il y a le durcisseur et la résine. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Des gants, un bâtonnet. C'est une autre marque. Voilà, il va tester aussi. Voilà. Il s'est pris un petit pot, hein, pour je ne sais pas pourquoi, il s'est pris ça,
C'est pour le dosage. Il s'est pris des strass de la marque Ursus Creative Accessoires. Voilà. Elles sont trop belles. Bon, bien sûr, c'est un magasin. C'est pardonné, c'est un magasin de scrap, mais déjà de un bon magasin. C'est pas Action, voilà. C'est pas Action. Trop belle les étoiles. Ouais. Je n'ouvre pas les paquets parce que comme il ne va pas l'utiliser maintenant. Alors qu'est-ce qu'il s'est pris? Il s'est pris de la poudre en broussage, oui. Ah ben merde alors. Ah ouais. La marque Artemio, je crois que ça va atterrir dans ma scrap room ça. Il s'est trompé. Parce que ça, je ne sais pas si on peut mettre ça dans la résine, j'en sais rien, cette poudre-là. C'est de la poudre embossée. Il n'a pas demandé mon avis, là. Ah, bah, ça va aller chez moi, ça. Attendez un peu. Ouais, glitter, pailleté. Artemio. Je ne sais pas si le focus il se fait bien. Ouais. Bon, comme j'ai pas mes lunettes, il y a 25 millilitres. Ouais, il s'est pris ça. Donc, les étoiles, c'est quoi ça? Ah, ça va, c'est bon, ça. C'est des petits. Des petits. Comme du foil, mais en plus dur, de la marque Réère. Ah non, c'est des paillettes en verre. C'est des paillettes en verre. Regardez, la couleur est jolie. Je ne sais pas si vous allez voir. Elle est trop jolie. Ah, c'est pas mal. 10 ml, ce petit flacon-là. C'est Réère, la marque Réère. Alors, il s'est repris aussi à la poudre embossée. Des paillettes. Non, c'est des paillettes glitter. Mais je me demande non, si ça embosse. Les filles, sincèrement, dites-le moi en commentaire. Si cela, c'est pour embosser. Si c'est bien pour embosser, je pense que oui. Hein. Comme celui-ci. C'est pour embosser. Hein. Ça doit venir chez moi, ça. Est-ce qu'on peut les mélanger avec la résine? Dites-le moi. Oh là là, voilà. Artemio. Mais c'est de la poudre embossée. Donc, si je ne m'en trompe pas, marquez-le moi en commentaire. Et si on peut le mettre dans la résine, ben, éventuellement, ceux qui utilisent la résine, dites-le moi si on peut le mettre dedans aussi, qu'il n'y ait pas une réaction chimique. Hein, aussi. Et là, il a pris des perles en verre, des paillettes en verre bleu, un beau bleu. Trop beau. La marque Réère aussi. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Et qu'est-ce qu'il s'est corpé? Il s'est pris de... des broches, hein, toutes les deux, et l'autre est une ficelle dedans déjà, et va faire bah, des bijoux avec. Voilà, et c'est la marque FCO. Ouais, FCO. Voilà, et une broche comme ceci. Bon, si on fait la broche et collier, c'est pour moi. Voilà, bah, je crois que c'est tout pour lui. On va passer à moi. Bah, c'est déjà bien, hein. À Namur, du vent, il y avait le marché, mais il était déjà fini quand on est allé. Donc moi, qu'est-ce que j'ai pris? Je vais, voilà, hein. Hop. Je me suis, donc moi c'est pour mon scrap, hein. Je me suis repris une spatule parce que le mien est dans les caisses et je ne le retrouve plus, donc je m'en suis repris un. Bon, c'est marqué P à coque numéro 2. Bon, il y a le numéro de série, enfin 1, 2, j'en sais rien. 3. Je crois que c'était 3 euros que j'avais payé celui-ci. Ouais, voilà. Ça, c'est quand je fais ma pâte à structure. Je remets dedans. Je m'en suis pris aussi. pour faire comme lui, en tous les cas. D'abord, j'ai pris deux ovales. Voilà, deux moules ovales. Ça sera pour Pinot. Hein. Je vais le laisser faire. J'en ferai un à moi, mais je vais laisser faire plus. J'en ai pris un comme ça. Toujours la marque Réère. Voilà. Alors. Ça. J'ai pris des griffes pour faire de la marque Artemio. Mettre les rubans. Vous voyez, des petits rubans et tout ça quand je vais faire mon junk. Parce que ici, je suis sur trois junks. Bon, il y en a un, c'est un peu plus style fleur. L'autre aussi, un peu chabli, mais tout petit, hein, celui-ci. Alors, je suis en train de préparer un autre, mais plus gros, quoi.
Donc ça, je vais les utiliser pour mettre là, sur mes petits rubans dessus pour faire des pompons. Alors, j'ai pris ça. Après, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris du colorant Cléopâtre, donc pour la résine. Hein. Donc la couleur comme ça, orangée. Donc maintenant, c'est comme ça. Et c'est la colorant Cléopâtre. Donc c'est pour faire tout ce qui est résine ou autre, hein, j'en sais rien. Voilà, j'ai pris un orange, j'ai pris un bleu éventuellement, comme ceci, oui. Toujours la marque Cléopâtre. C'est pour la résine, c'est pour les mélanger avec la résine, pour ceux qui se connaissent très bien, ben, vous voyez quoi. Et alors j'ai pris un violet, voilà, toujours la marque Cléopâtre, voilà, ça c'est fait. Je me suis pris des attaches parisiennes, des petites mains pour mettre dans mon album, que je suis en train, un album, le junk, pour m'en mettre une paire dans le junk. La marque Klaxiger Inspiration, ce marqué Inspiration, il n'y a rien marqué d'autre dedans. Ursus, la marque Ursus, voilà. Et alors, c'est des petites mains, regardez. Je ne sais pas si vous avez bien à voir. Voilà, alors j'ai pris. Qu'est-ce que j'ai pris? Ça, un memento. Une encre memento, cacao. Parce que j'ai pas trouvé en fait la Distress Ink pour vieillir les feuilles pour photos en fait. J'ai pris celle-ci en attendant, toute manière, dans le temps. On ne le voit pas. J'en ai pris un Distress Ink couleur Mahogany, je sais pas. Je sais pas, c'est Mahogany, Mahoni, je sais pas, c'est une marque. Ouais, c'est un peu acajou, quoi. Voilà. Ouais, ça fait un peu acajou. Pas mal non plus. Voilà, ça fait un de plus. Je me suis prise ceci. Donc, toujours à ma R pour mettre dans la résine. Ou le scrap, hein. Toutes des perles, regardez. Des sequins, des perles. Des perles. Ça se présente comme ceci, vous voyez. Trop beau. Une belle boîte. En fait, il y a un mélange, je ne sais pas si on verra bien. Regardez. Voilà. Et dedans, il y a tout, hein, mais bon, comme je n'ai pas mes lunettes. Il y a deux, trois sortes de perles dedans. C'est pas mal. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris? Alors, je me suis pris de... Parce que je vais me faire un album. Je vais me faire un album dans les tons rose et tout. Ça fait toujours voilà, ce style-là. Artemio. Donc, j'en ai pris deux parce qu'avec un, j'en aurais pas eu assez. Comme il n'y a que six feuilles. Voilà. Donc, ce sont des fleurs. Hein, les fleurs du pommier. Des roses, pâles. Enfin, ça fait un peu chabli quand même. Hein, je vais l'habiller. Vous voyez, donc c'est comme ça. Donc ce feuille là, il y a ce dessin là, il y a le choix. Ça c'est quoi comme magnolia, donc il y a des cœurs. Voilà, c'est il y a double dessin, un côté fleur et un côté graphique ou cœur ou ouais, c'est super. Donc j'en ai pris deux, hein. C'est Artemio pour être sûr d'avoir assez. Je vais me faire un bel album. Voilà. Et alors j'ai pris de chez Artemio pour continuer dans les fleurs, pour faire l'album à montage. Mais je pense que j'en avais déjà, mais ils sont dans mes caisses. Donc c'est pas grave, hein, ça servira pour autre chose. Mais je crois qu'elles sont plus claires, donc je crois que celles-là, elles vont bien jouer en mettant sur la couverture de l'album. Ou pas, hein, je verrai bien. Faire un rappel dans les feuilles, on verra bien. Voilà. Et ben voilà, mon petit tour il est fait, des courses. Je vais remonter à Pinoski et à Pinot. Voilà. Ça, c'est l'étiquette. Je ne vous ai pas dit les prix. J'ai pas mes lunettes. Voilà. Sur ce, dites-moi si ma vidéo vous a plu. Commentez, likez, partagez si le cœur vous en dit. Passez une bonne soirée. Et à une prochaine vidéo, si Dieu veut, bien sûr, il voudra. Je vous envoie ce cœur avec plein d'ondes positives. Toujours bien laver vos mains.
masque, parce que c'est pas encore fini. Voilà, sur ce, à une prochaine vidéo. Bye bye.